Entre ici, Laurent. Oh là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Toi aussi, tu relis les peuples, mais avec des mots, quoi. Avec des mots. Avec des symboles, peut-être la cravate également est un symbole, je ne sais pas, Arnaud, tu sais. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vas-y. Le mot de la fin, le mot de l'info cette semaine, c'est le mot sexe. Ok. Eh ben oui, déjà, je sens que vous êtes un petit peu intéressé. Trois images pour vous le prouver. La première, celle de DSK, avec le procès du Carlton. Le problème de DSK, c'est que n'importe quelle image, désormais, de lui, celle-ci date de 2013, eh bien avec n'importe quelle image, on ne peut s'empêcher de penser à lui dans une position que la morale réprouve. On ne pense qu'à ça, au sexe. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sexe dans cette, dans cette image, mais il y a du sexe dans notre regard. C'est ce que nous appellerons, pour plus de commodité, l'effet Strauss-Kahn. On a donc du sexe dans les yeux. C'est vilain, ça. Ça peut faire mal parfois, mais c'est autre chose. Pas besoin d'effet Strauss-Kahn avec ses handballeurs. Deuxième image de sexe de la semaine. Le sexe. Tout en puissance sexuelle affichée. Que voit-on ici, si ce n'est une partouze homo en préparation? En plus, Daniel Narcisse, je n'invente pas son nom, qui sourit entre le barbu lubrique à sa gauche et puis le goal au meilleur à sa droite, a dit à la télé, contenir toute cette émotion à cause de la finale, c'était dur. Alors quand on gagne, on libère toute l'énergie. On a tant désiré ce trophée, et maintenant qu'on l'a dans les mains, ah ! Frustration, excitation, éjaculation, du sexe, encore du sexe. Et au meilleur, le goal dégueulasse d'ajouter... Dans un match de hand, bien sûr, on ne peut voir que ça. On est content de... Tu veux pas l'emmener plonger un peu ? Qu'est-ce qu'a dit au meilleur à la fin ? Il a dit, on est content de partager tout ce bonheur avec les gens. On est content de... Elle est belle, la France. C'est du propre. Troisième image, culture. Photo, regardez, c'est Marie Gillin, qui est au théâtre en ce moment, et à la une de lui également cette semaine. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de voir un truc très sensuel dans ce long vêtement qui c'est lui bizarre. Recouvre les épaules. C'est difficile. Je voyais plus le sec dans le handball, c'est bizarre. Un truc dans le drapé qui crée quelque chose. Mmh. Hein. Ben voilà, c'est ça l'effet Strauss-Kahn. D'ailleurs, je vois bien, vous ne m'écoutez pas du tout, vous regardez Marie Gillin. C'est normal, ça prouve bien que le sexe était dans toutes les têtes cette semaine. Merci Laurent. De rien Arnaud. À la semaine prochaine. Mais oui. Elle est belle ta cravate. Merci. Oui.